Ngwecho. The President, please be seated. Ong chung nung yu reh, pakah mato, kajam la ka nai dey viti sam la ka. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. L'audience est reprise. Before we hand over to the defense counsel, the chamber would like to inform the parties on the decision by the chamber concerning the amendment to the scheduling for next week's hearing. Du programme d'audience de la semaine prochaine. Having ceased of the request by une demande a été déposée par la défense de noted the observations made by les observations ont été faites the chamber par les autres parties. Has decided la chambre to set the schedule a décidé for next week as de fixer le programme de la semaine first, prochaine comme suit. On Monday, premièrement, Nunchia will be questioned lundi, and Nunchia there will be no interrogé, hearing in the afternoon session et on il that aura Monday. Pas d'audience lundi après-midi. Tuesday, the chamber mardi, will hear the accused person, va rather Kang Kek Eo alias Duik, the whole Eo day, Duik, and toute on la journée. Wednesday, there will be no session in the afternoon. Il n'y aura pas l'audience and l'après-midi. On Thursday, Kang Kek Eo alias Duik will be questioned et the whole day. Kang Kek Eo alias Duik sera interrogé toute la journée. The chamber would like to inform parties that the la scheduling is flexible que ce programme and it is meant doit être for envisagé the purpose avec souplesse of the next week hearing only. It is not a blanket order. Uniquement la semaine prochaine. If councils note that they would like to raise any concerns si with regard différentes to parties the souhaitent soulever telle ou telle question au sujet advised, du programme des audiences de la semaine prochaine, to inform the chamber il conviendrait as soon as d'en annoncer, d'en informer and la Chambre dès que possible. For this afternoon session, defense counsels will have 90 minutes to make their observations. For that reason, the afternoon session will be extended. Raison pour laquelle l'audience de cet après-midi sera quelque peu prolongée. The time for the defense. Afin que la défense puisse arriver au bout de ses observations. We have already informed the General Service Section and the court la officers to ensure that transportation is ready in place to greffier transfer staffs back ont pris les dispositions nécessaires pour assurer town le retour du personnel after en the ville late session. And to à be la fin more precise, I would like to prolongée hand over to je vais à présent laisser la parole à la juge Sylvia Cartwright pour apporter, le cas échéant, quelques précisions. La juge thank you, Cartwright. President. Merci, Monsieur le Président. Trial chamber has a further comment la chambre to make a d'autres observations à faire matter au sujet the co-prosecutors and the defense team l'accusation et la défense have raised, de Nunchia the use of the ont soulevé la question mini de l'utilisation trial, du terme mini procès. Dans le cadre du dossier 002, la chambre souscrit aux observations des coprocureurs selon lesquelles l'emploi de ces termes est déplacé dans le prétoire. Les termes employés sont importants pour toutes les parties compte tenu de la nécessaire dignité des audiences. Ce terme est imprécis
s'il est interprété comme étant une appréciation de la longueur du dossier 002/1. Ces termes semblent également indiquer de façon erronée que les chefs d'accusation pesant contre les accusés ainsi que les répercussions des crimes allégués sur les victimes ne sont pas graves. Voilà l'observation que tenait à faire la Chambre à ce sujet. Le Président, President, merci, thank you, Judge Madame Cartwright. La juge Cartwright. We would like now to hand à présent, over to counsel la parole for est donnée à la défense persons. Des accusés. To respond, to the qui auront l'occasion de répondre aux observations qui ont été faites by parties, par concerning les the autres parties request for additional documents from au sujet Mr. Ben de la demande de documents supplémentaires de Ben Kiernan. The three defense team les trois équipes de défense minutes. Disposeront if, they have au total not, de 90 minutes. Shared, or divided the times si among their elles team, ne se sont pas réparties ce temps de parole, we presume that each team nous will have 30 minutes partons du principe for que chaque équipe disposera d'une demi-heure. This pleading, so we would like to begin with Yang Sari. Nous allons commencer counsel par la défense first. De Yang Sari. Thank you, merci, Mr. President. Monsieur thank you, Your Honors. Madame, and good afternoon juges, to everyone bon in and around the courtroom. Dans le I have spoken with my colleagues. Je me suis entretenu I avec will mes be confrères. Using up the lion's share of the je vais the time. Prendre la part du lion du temps qui nous est alloué. I do believe that we may be able to finish peut-être que nous pourrons conclure as, usually around 4 à l'heure o'clock. Habituelle, I'll try to be as vers 16 heures. J'essaierai d'être aussi efficace que possible. I should note that a few moments ago il I was provided with the material j'ai reçu the exchanges between un the prosecution à savoir and les échanges entre Mr. Kiernan l'accusation et Monsieur Kiernan. I regret if I will be if I'm going to je be less than désolé articulate or eloquent si je manque d'éloquence ou de précision mais ceci s'explique par le fait que je n'ai pas eu assez de temps material, pour so parcourir if ces I'm documents less than, eloquent, si in my arguments, je manque d'éloquence that is one of the dans mon exposé, but ceci explique cela. Let's see how it goes. Voyons. First, Your Honors, let me address the last premièrement, point, that je voudrais the point revenir sur le dernier point abordé, à savoir notre demande d'information complémentaire. J'aurais besoin de maximum 5 minutes. In preparation sujet. For Professor Kiernan. And as was noted earlier, comme indiqué précédemment, he has written extensively. And as we consulted others who il y a beaucoup de éléments qui portent sur la préparation de Ben Kiernan. About that period of time and the events. Il s'agit d'une personne qui en sait beaucoup us that was, sur that la période concernée additional information et nous avons compris need. Que nous aurions peut-être besoin d'informations complémentaires. Some of the material that we requested, et que certains we only des documents learned demandés of or heard about, I should say, at about the time that we nous made the n'en request. Avons entendu parler qu'au moment où nous avons it présenté was, notre to demande. Be honest with the trial chamber, pour être an afterthought as sincère, we were asking for this, to also ask for notes and what have you, nous avons in également part demandé because des notes et autres in reviewing his books, en partie pour la raison it is very clear à de that often ses ouvrages, statements il ressort clairement are made que souvent des déclarations or y sont faites, are made, des affirmations are drawn, y sont faites, des conclusions y sont tirées, and no witnesses are cited, alors no authority aucun témoin, is cited. Aucune source ne sont citées. So it was for that reason. C'est handwritten notes pour cette raison. Well, the prosecution has argued concernant that at least écrites, one of the journalists that's scheduled to be here des and testify qu'il est prévu kept de citer notes, à comparaître and in fact, those notes are des notes, on the case file. En réalité, ces notes sont au dossier. We made a request. Nous avons fait we une believed demande. It was an honest request. C'était, pensons-nous, une and we left it up to Your Honor et nous avons laissé au juge le soin. When we get anything from
Mr. Kiernan, si nous recevions quoi que ce soit de Ben Kiernan, de décider quelle partie pourrait être considérée comme pertinente en vue de l'utilisation dans le prétoire. Ce qui nous choque, c'est l'attitude de l'accusation qui a été reprise par les parties civiles, parce que quoi que dise l'accusation, la partie civile lui envoie le pas systématiquement. Il y a eu une réaction immédiate, viscérale, and they begin to make excuses for de la part Dr. de la partie adverse. When they haven't even bothered to ask him. Et l'accusation a commencé à présenter des excuses au nom de Ben Kiernan sans lui avoir posé à lui-même la question. That there is no harm pour in nous, asking Dr. Kiernan, for instance, with the academic articles, à M. Kiernan if he has copies of de them, présenter would he be des exemplaires de ses articles universitaires ne can saurait causer quelque préjudice que ce court soit. Force him to turn it over? Of est-ce que le not. Tribunal peut le forcer à remettre ses pièces? Bien sûr que non. Est-ce que nous demandons à la Chambre de le contraindre? Bien sûr que non. We made a request nous avons fait une demande so that request could be passed on pour que cette demande soit communiquée à Ben Kiernan pour voir si celui-ci est prêt à partager avec nous ces informations de façon à ce que nous puissions mieux nous préparer à l'interrogatoire de cette personne. Est-ce que ceci intervient tardivement? Effectivement, plutôt tard, nous l'admettons. All that mais there is in the in this case file and all the reading that we have been doing, du dossier, compte tenu de lectures que nous avons dû faire, maintenant que nous sommes à la phase du procès, maintenant que nous avons traité de toutes les questions juridiques, really ce n'est qu'à présent que nous préparons l'interrogatoire des différents témoins et que nous examinons les documents ayant trait aux différents témoins. Ce n'est que maintenant que certaines choses sont apparues. Begin to shape. Ce n'est que maintenant qu'un tableau se dessine, que les idées surgissent. Et parfois, on peut avoir l'impression d'avoir besoin d'informations supplémentaires. Dans le système d'où je viens, il n'y a aucun mal à demander. La Chambre peut simplement dire « désolé ». Nous n'allons pas prendre la peine de lui poser la question. Ou bien la Chambre peut décider qu'il vaut la peine de demander à Kiernan. Je m'en remets à la liberté de la Chambre de déterminer s'il y a des parties dans la liste de documents que nous avons demandées qui devraient être demandées à Ben Kiernan. Et pour voir, le cas échéant, s'il serait prêt à remettre ses pièces. Si la Chambre estime que cette demande est scandaleuse, libre à la Chambre de le dire. Si la Chambre estime que c'est inutile, libre à elle de le dire également. And whether we were diligent or not diligent, we do know and we do agree that the gentleman has written quite a bit and is considered one of the leading experts. So that's all I have to say with respect to that submission, Your Honors. Voilà ce que nous avons à dire là-dessus. So now let me focus on why Dr. Kiernan should not appear by video link. Pourquoi? Unless there are any questions from the bench concerning the first issue. Seeing no questions from the bench. Il n'y a pas moi qui ai des questions. Now let me go into the issue about the video link. Donc laissez-moi parler maintenant de la vidéoconférence. Over a month ago, Dr. Kiernan was il y a plus d'un mois. Was contacted. Pursuant to the court's directions by Mr. Cayley. And there have been an exchange of not just emails, but also, it appears, telephone conversations. And in one conversation, in fact, there were notations that were sent back to Dr. Kiernan to sort of like minutes of a meeting to make sure that there was an agreement as to what was said. So that is the material that I received today. And it appears that from the very beginning, at least from the very first exchange back in February, at face value, Mr. Cayley, in his letter to Professor Kiernan, this is on February 13th, notes that it is his understanding from the representative from the witness section that he's not available to come to Cambodia for 2012, but that he might be available to testify by video link in February, early March, mid-April. Then in the fourth paragraph of this letter, he indicates, Mr. Cayley, that is, I think it might be helpful if we could talk via conference, via video conference this week. So they have this conversation. Puis cette conversation a eu lieu. And
At some point, which is almost a month later, presque un mois plus tard, I believe it's March 8th, je pense que c'est le 8 we finally mars. Get something from Professor Kiernan, where he notes the various Kiernan. Activities or functions that he's carrying out. Il offre une liste des différentes now, had I had this information beforehand, I would have done my due diligence. Avoir eu ces informations plus tôt, I would have put somebody to go to Yale, demander à quelqu'un someone from the United States or through Yale, the Internet, to actually find out exactly how much of this is true, accurate, and complete. Il s'agit d'une liste I don't take at face value anything that the gentleman says simply because his name is Kiernan. I wouldn't do that with any other witness. I won't do this with him. Je ne le ferai pas pour tout autre témoin, pas plus. We do note, and we noted, we learned earlier from Google that he teaches a couple of classes. That's what's on the Yale website. Qui, enseigne quelques cours. The teaching schedule for the summer de Yale, le is already programme online. De cours pour l'été. And Dr. Kiernan sur does not appear to have any teaching obligations during that period, avoir de cours though we do know cette that professors who are of this toutefois, caliber que des have de ce other general obligations, ont souvent d'autres obligations in addition to publishing and supervising the committee work. De leur publication et so we do understand that he is busy. But what we donc, do know qu'il est très occupé. That there's not a single date describing when these events are taking place and to why he is not available for the entire 2012. Now, had I been privy to have a conversation with Professor Kiernan along with the prosecutor, I would have asked some specific dates. Can you please break it down? Tell us, what is, when is spring break? What are you doing this summer? To break it down so we have some more idea. Merely what we have is a laundry list. And keep in mind that professors have students, they have assistants who teach for them and fill in their classes. Those who are doing their PhDs are not being supervised on a daily basis. They're normally told to go out, research, write, and come back. And you have a one-on-one on occasion. And they usually tend to be, at least in the United States, teaching assistants. And as far as committees go, one can absent themselves from a committee or participate by a video link from a foreign country if it's necessary. And nowadays, you can even do it by Skype or telephone Skype. At no cost. Et ce, so, gratuitement. From this, we don't see how it is donc, that the gentleman is unavailable completely. Nous ne voyons pas, en lisant cette simple keep liste, in mind pourquoi that M. N'est pas disponible we were informed en in October gardez l'esprit que l'on nous a 2011, en octobre 2011 that the gentleman would be appearing in court. He's a prosecution witness, and I'm going to get to that. Un avocat, they say now he's a court witness, but really he's a prosecution witness. De l'accusation. C'est he is an advocate for the prosecution and for the civil parties. Quelqu'un qui fait la promotion de la cause and the prosecution could not have but et consulted with him during the, the investigative process before the matter was turned over to the OCIJ, either directly or indirectly. There are staff working in the prosecution's office that have had a long association, although, albeit now bitter association, bitter relations with Dr. Kiernan. And in fact, I'm speaking about Mr. Etchison, who used to be there at Yale and has worked with Dr. Kiernan, who's also worked with DC CAM. So to say now that he is an objective witness, or not even a witness, he's just some academic who's coming here and is going to be objective, and therefore there's no need to worry about it. We say, no, that is not the case. He is a witness for the prosecution. And they may say there is no prejudice to the rights of the accused. Well, there's no prejudice to them, yes, because he is such an advocate, he can be an automatic and just answer any question and every question for them without any reticence. Sans aucune but when réserve. It comes to the defense, pour ce qui est de la défense, usually it's quite different. C'est en because général, at the defense side, car he's going to be asked to provide nous allons lui demander authority for much of what he has de citer written, ses sources, or at least some of what he has written.
We have identified approximately 50 nous avons identifié 50 topics, 50 which the prosecution wishes to question this gentleman on at one point or another. L'expert. Now, you may say, Your Honors, well, we've limited this case to only 002/01. Well, yes, you've limited. However, what has the prosecution done and it continues to do and will be able to do throughout this trial? They will say this is for contextual purposes, Your Honor. And then they stray into other areas. And so when you look at everything that they've asked this witness to testify on, they are not minor issues. It is every single topic, every significant issue that involves this case. And to merely say that he's an objective individual, that there's no prejudice, is simply nonsense. He's a terribly important witness, and that's why we insist that he come here. Going back to what I was saying earlier, he was contacted back in 2011, unless the prosecution put him on his list without even contacting him. They must have contacted him at some point to see whether he would be willing to testify or not. If not the prosecution, the trial chamber would have contacted him through one of your legal officers. Otherwise, why would you be notifying us back in October that he's on the list? Then you will note, Your Honors, and you will recall that in January, I asked whether Kiernan had been summoned. Now, I didn't ask it because I was just curious. Rumor has it that he's very reticent to come here. En fait, la rumeur est qu'il a des réserves. That is not that because he's got the schedule, but rather he does not want to come here and be confronted in person. En personne. And so we say at this point in time, with respect to who is Kiernan, he's a prosecution witness. He's a terribly important witness in this case, not just for the prosecution, but for us and for you, and for the civil parties. And therefore, he has to come. This knee-jerk reaction to say, ce réflexe. Gee, he's giving us a long list of activities, voici une longue liste and now he's totally unavailable. But voilà he may mais peut-être, be available in 2013. Well, let me address that. If he may be available in 2013, he's got about 10 months or 9 months to get his calendar cleared up so he can identify when in 2013 he can come and give evidence. Now, you may say that evidence may be out of order. Si and I say you're professional judges. Vous pouvez dire que cela usually, n'est pas adéquat, mais vous êtes des juges professionnels. You would want your evidence to come in a particular narrative because the poor jury, the layperson, the non-professional judge, may have difficulty in following the narrative of the evidence as it's coming in. But you, Your Honor, you're professional. And you know the case. And it matters not whether he testifies in 2012 or January or February 2013. And so to say, and for the prosecution to stand up and say, it's either 2012 by video link or nothing, that again is nonsense. And it's not midnight for Mr. Kiernan. There are other options. The question is he willing to come here? Not whether he's able to come here. Prêt. And I suggest it is the former and not the latter. Et je dirais qu'il ne veut pas. Let's look at some of the jurisprudence. Consultons maintenant la jurisprudence. Your Honors, today, we submitted aujourd'hui, an annex containing nous avons something in the neighborhood of 72 cases. Sur laquelle figure 59 or 39 from the ICTY, 29 from the ICTR, two from the Special Court of Sierra Leone, and two from the ICC. Pour la Sierra Leone et le reste this de la annex does not contain all of the cases. It's a representation of the cases. We've submitted, we've checked and chosen the cases, and we're able to put this together on a very short notice. Nous avons réussi à you have cases where they allowed video link, in cases where video link was denied. So we try to be balanced. Now, coming from the defense, since we are a party, I'm making this as a disclaimer. It's coming from us. It doesn't have all the cases. We have a short, limited period of time.
We did the best we could, and we looked at these various jurisdictions. And with that, let me add one other point. When it comes to the ICTY and ICTR, whenever you see a case, Your Honors, that it says the ICTR Appeals Court, we're talking about the ICTY Appeals Court. It is the same, judges. So we're not talking about two different entities. On ne parle pas de deux entités. When it comes to the trial chambers, pour ce qui est des chambres de première instance, bien but sûr, I think le siège that, est différent. We should not dismiss cases from the ICTR donc, because they have been more stringent both at the trial level and at the appeals, but especially at the trial level in making sure that witnesses actually appear. Pour s'assurer que les témoins I'm told to slow down, on me dit de ralentir, and I will do so as ordered by my colleague. Je vais écouter mon confrère qui me dit de ralentir. So, I will discuss just a few cases, but first, je vais évoquer certaines de ces affaires. Your Honors, as you well know, that on, comme vous le savez, on 9 March 2012, we filed written submissions, and we titled them a response. We titled them a response because when we looked nous at what the prosecution filed as a notice, we saw that as a request. And in fact, Your Honors, have labeled this matter as having been seized with a request from the prosecution. Et la chambre a dit, now, I don't want to go into saisie. Whether they actually are the moving party or not the moving party. Donc, la be that as it may, non, what we are suggesting is here ici, that we filed written submissions outlining what we believe the law is. We did so in good faith. We think it tracks the law. We think it will help you and guide you through this process. And we certainly are grateful for this opportunity to go even further than the written submissions. I should also note, when the written submissions were made back on the 9th of March, we were unaware of the material that we just received, although the prosecution was aware of it. However, given the instructions from the trial chamber, they were not in a position to disclose that material, and so we're not shifting any blame or we're not complaining, but rather just mentioning that. So if our response somehow does not dovetail the facts as we know them today, mais it's for those reasons. Écriture que nous avons déposée en mars so était it's le not that we were misrepresenting the court at the time donc, that we made ici these filings. Now, the law has evolved somewhat at the ICTY. Tadic, as we know, was the very first case. And at the time, the rules did not really provide much of guidance. Le règlement later on, a rule was put in place, Rule 81 bis, of the ICTY rules of procedure. Les règles de procédure. And this is 12 July 2007. Il s'agit and it states, donc en 12 at a request of a party or proprio moto, a judge or a chamber may order, if consistent with the interest of justice, that proceedings be conducted by way of video link conference. Then, in Stanisic, it seems to have set certain criteria. Stanisic versus Simatovic, Stanisic and Simatovic, that's S-T-A, N-I-S-I-C, and Simanovic, S-I-M-A-T-O-V-I-C. But it's all in the written pleadings, Your Honors. Vous le retrouverez dans notre and I'm referring to actually paragraph 21 of E166/1/1. And here's what it said. Voici one, the witness must be unable or have good reasons doit to ne be pas pouvoir unwilling to come ou ne to pas the tribunal. Pour des raisons valables, venir au tribunal. The witness's testimony must be sufficiently important to make it unfair to the requesting party to proceed without it. Pour la partie requérante. I'm going to focus on that a little je bit vais as well. Sur ce three, section. The accused must not be prejudiced in the exercise of his or her right to confront le the witness.
traduction non officielle. We submit, at least those of us who come from an adversarial system and do engage in the process called cross-examination, procédons à des contre-interrogatoires, which may not necessarily be that important in the civil law system because the judge does all the questioning and then more or less allows the parties les juges mènent la to follow up. And the role of the defense lawyer, suivi, at least in the classical French system, is, with no disrespect to my colleagues, my understanding is to be brilliant at giving closing arguments. Le rôle de l'avocat est but très bon at dans that sa point, it's rather late finale. In the game, mais à ce moment-là, because all of the questioning is done by the judges. Ce sont les juges qui procèdent à l'interrogatoire. In the system that we have adopted here, which is dans a hybrid system, ici, and we have crossed hybride. Into, as I've indicated earlier this morning, et into matin, some aspects of the adversarial system because you're allowing the prosecution to lead, to go forward with the questioning of a witness and allowing the parties on the other side to actually ask leading questions, which is the hallmark of cross-examination. For those of us who are experienced in that system, in these techniques which we are using here in this court, we know that it's the control of the witness is terribly important. Le contrôle, one controls savoir, the witness by being able to look at the witness très square important in de the eye, le proximity, dans le blanc, and also it is our belief that it is terribly important for the judges to also see how the witness is behaving as being cross-examined. In the instant case, what are we being asked to do? We're asked that Dr. Kiernan, on demande ici at 9 o'clock at night, à 9 heures du after soir, a very busy schedule après of meetings, longue journée, of teaching, de réunion, of committee work, de redonner des cours, d'être you got to eat sur lunch at some point, maybe donc breakfast, j'imagine qu'il faut maybe peut-être even manger dinner. Le déjeuner, le petit déjeuner, voir le I don't know his family, bon, but I'm sure that at 9 o'clock, je suis certain I know that I'm exhausted soir, personnellement, je suis for any intellectual debate. Et trop fatigué pour tenir un and that's what we're asking this gentleman. Et c'est ce que l'on demande à M. Kiernan de faire. So at 9 o'clock, he's going to be every soir, night there until soirs, midnight. Il va être là jusqu'à minuit. And it is our respectful submission that that is not fair, not et to the witness, nous, but to us. Injuste. Because the witness injuste can easily témoin, say, I am nous. Too tired. Car le I don't wish to answer dire, that question. Je suis and that trop would fatigué, be it. Je there would be no way question. Of coercing et the witness to actually de be there. De contraindre le and if he's that busy, occupé, he's going to be exhausted at 9 o'clock at night. Dit, il sera épuisé and how can he possibly be cross-examined without being cross at the cross-examiners? Comment peut-on even le contre-interroger sans qu'il se fâche contre nous, him, même si because on est after poli. All, we will be challenging his academic car, work. Après tout, nous allons mettre en doute, contester so we do submit ses recherches. That it does prejudice us, and I'll nous discuss sommes d'avis one particular que cela case. Nous porte préjudice, et je vais donner un exemple. Is this witness's testimony, you know, so sufficiently important le to make it unfair to the requesting party to proceed plutôt, without le point it. Or recall, tout à l'heure, l'audition the prosecution du témoin en question doit être d'une importance telle que son compromettrait l'équité du procès and pour so la partie requérante. Well, and then son témoignage est si important the que l'accusation est mise sur sa liste. The prosecution that is going forward. Bon, sans they're the de ones that drafted Nunchia, the introductory submission. Eux, l'accusation qui and now they're le the ones that are willing to throw in the towel without making any efforts et to bring the gentleman over here. À... But is there no one else on earth à abandonner or no sans one même else faire that we are aware à comparaître en personne. Either in Cambodia or elsewhere et that can fill the shoes of this gentleman to the limited topics personne of the first part à l'extérieur qui puisse remplacer le monsieur Kiernan 002, pour that is répondre à la question limitée au procès 002/1. If you look at your honors, the introductory submission, I invite your à la lecture close scrutiny and attention. Du réquisitoire introductif, go to footnote je vous demanderai de porter cette attention one. At the very beginning, de bas de page we have 1. Etchison. Dès le début, il est écrit here Etchison. He's been an analyst. He's been analyzing all of these documents, analyste, albeit he doesn't speak Khmer. We all know that. Nous le savons tous. But he's been analyzing the documents forever. He's Monsieur testified Etchison, before. Donc, he drafted the introductory submission. Il a is he not capable il a rédigé, réquisitoire of covering n'est-il pas the capable? Topics? N'est-il limited, pas capable limited de répondre to this particular trial sujets, that you have identified limités, for this particular witness, not procès, the ones that the prosecution wishes
So are they prejudiced? Les sujets que vous avez choisis. And would the trial chamber be prejudiced or anyone else be prejudiced? If la chambre ou toute autre partie serait-elle another witness, it doesn't have to be Etchison, it can be someone else, comes in violine, to discuss si those issues while we wait peut venir discuter for 2013 to have Professor Kiernan come here when his schedule allows it. What is the prejudice? As I've indicated before, you are professional judges. Où est le préjudice, comme nous l'avons and indiqué need not plus worry tôt, about the narrative et vous n'avez pas coming in in a particular fashion. La trame de la chronologie and, let me go back to that for one second. Usually, in a typical général, case, in a common law typical case dans, at least, enfin, dans, judges come in law, not knowing a whole général, lot of the facts. Les juges the jury knows absolutely nothing. Le jury ne sait absolument rien des faits. Here, we're in alors the civil law system where the judges have read the entire file, have selected, les and are selecting. And so, it's not as if somehow you're going to miss the narrative donc, of the prosecution's allez, case if this gentleman de, doesn't come in on 2012 que l'accusation vous présente, si M. Kiernan ne vient pas en and 2012. Comes in on 2013 instead. Et so I think that is not really much of an argument. In fact, I would dare say moi, it is what they argument. Call a red en fait, herring to throw you off the path. C'est une diversion. It is a deliberate technique, c'est une technique to get you to think in other directions. That if we don't have this gentleman, then the case falls apart. Cette idée que si Ben Kiernan ne in the International sans le témoignage de Criminal ben Kiernan, Tribunal le procès s'effondre. For Rwanda. Au TPIR. In one particular case, they also identified some criteria. And I'm going to spell this case because it, their names are terribly difficult to pronounce. Et je vais épeler les noms car ils sont très difficiles à prononcer. Challenged. It's N-Z-A-B-O-N-I-M-A-N-A. N-I-M-A-N. And it's, I'm referring to the case on paragraph 22 of E-1666/1/1. And it says, such criteria, this is a quote basically, such criteria include an assessment of A, the importance of the evidence. A, évaluer l'importance du témoignage. The inability or unwillingness of the witness to travel to Arusha. Apprécier l'incapacité ou le refus du témoin de se rendre à Arusha. A good reason has et been adduced établir s'il existe une raison valable pour cette incapacité et ce refus. The party making à la partie the request qui bears présente the burden la demande. Et voilà to demonstrate la charge de preuve that the conditions set out above c'est à la partie qui have présente been la demande qu'il incombe de démontrer hearing que les conditions ci-dessus sont remplies. Video link une déposition is par vidéoconférence est une mesure exceptionnelle. I underscore, exceptional measure. Granted only upon, exclusivement upon sound and legitimate justifications based on proper documentation. Et légitime. And this decision, Your Honors, was, cette décision, if I'm not mistaken, in March 9, 2011. So the argument that somehow, you know, the technology has advanced so much l'idée that you don't have to worry, it's enfin, the same thing. Here you have point, clearly a decision il s'agit là, from a d'une court, décision, a sister court, often cited by the prosecution, which sets out what it believes semblable à celui-ci, qui to souvent be cité, dont la the criteria. Est par l'accusation, qui établit ce criteria. Now, the defense in that case had requested that an expert witness testify by video link from the United States or the Hague due to security reasons. It was denied, okay, because in that they found that the allegations were extremely serious, the security reasons, but it nonetheless denied the request for video link testimony as it was not convinced that the expert witnesses circumstances were exceptional and because the trial chamber received no documentation supporting the claim security concerns. So this is an expert. They're talking about exceptional circumstances, and I think when we're talking about experts, Your Honors, and witnesses, et there are different types of witnesses. Bon, on parle there de may témoins, be someone who comes in as a character witness, he may un not be that important.
déposée sur la personnalité de l'accusé n'est moins important. Such as Goldstone, who's going to be testifying about something that is not really much in dispute, or maybe for a particular discrete purpose, such as going to sentencing. Or the gravity of the of the matter, ce qui or what have you. De la sentence, ou de la but when you're talking about an expert of Kiernan's caliber and what they expect, that's something different. Kiernan, now, there's another case which I think I want to spend a couple of moments on. This is from the ICTR appeals chamber. And as I noted, this is the same appeals chamber. These are the same judges at the ICTY. They just put on a different hat. Sometimes they go down to Arusha to listen to the arguments. Sometimes the arguments may be held in The Hague. But it's the same judges. Mais ce sont les mêmes juges. Although they're looking at decisions that were taken by different courts. Quand bien même ils se prononcent sur des décisions one rendues Hague, par différentes chambres de the other in Arusha. L'une à La Haye, l'autre in this à case, I'll spell the name again. Bon, je it's Z-I-G-I-R-A-Y-I-R-A-Z-O. And I'm referring to paragraph 27, Your Honors. E-166/1/1. So in this case, the testimony was taken by a video link. La déposition était faite par vidéoconférence. And it was found that it had violated the fundamental due process rights at the trial level. The trial chamber moved the seat of the proceedings from Arusha to The Hague to hear the persons, afin d'entendre to hear in person the testimony of this important prosecution witness. So in other words, the accused was in Arusha, the judges and others went to The Hague. Les juges et d'autres so sont allés the accused is watching it by a video link, as would be done l'accusé over here. Suivi par vidéoconférence, comme cela and I will submit that it doesn't make a difference whether we're only speaking about the accused, selon moi, ça ne fait aucune différence que l'on parle and or the lawyers who are representing the accused. The rights belong to the accused. Ce sont les droits de l'accusé. The trial chamber moved the seat of the proceedings, donc, as I've indicated, de première instance a transféré le siège de la procédure, because of the importance of, quote, the proper assessment of an important prosecution witness. Afin d'entendre ce témoin particulier en raison de l'importance de procéder à, et je cite, l'appréciation en bonne et due forme d'un témoin important prosecution witness. In other words, pour la thèse du procureur. The judges wanted to properly assess the witness. Les juges voulaient avoir une appréciation, they could have sat there in the une bonne in Arusha, appréciation du témoin. Ils and the witness could have testified from the Hague. Et le témoin aurait pu déposer depuis La Haye. Instead, the judges wanted to properly les juges assess. Voulaient avoir une appréciation en bonne et due forme du témoin. The appeals chamber la chambre held that it was a violation a conclu que cette situation of the gentleman's avait porté atteinte au droit de pronouncing l'accusé. His name to avoid any confusion. A violation of the gentleman's right to be tried in his presence, au droit de l'accusé finding d'être that présent although à son procès, this right was not absolute, que bien que ce droit ne soit pas absolu, its restriction was unwarranted and excessive sa restriction under était the circumstances. Injustifiée et excessive. And the appeals chamber excluded the testimony of the witness taken in this matter, finding that it prejudiced the gentleman's rights. Exclut donc sa déposition, estimant qu'elle que l'on pouvait supposer. I point this out, Your Honor. Now, of course, l'accusé. There are lots of different cases. Bien sûr, il y a toutes sortes d'affaires différentes. Dans certains cas, on a dit qu'il n'y a pas eu assez de preuves apportées. Dans d'autres cas, on a dit qu'il y a eu assez de preuves. Je vous renvoie à notre annexe. Nous avons essayé de vous donner des indications. Si nous avions plus de temps, nous aurions présenté l'ensemble de la jurisprudence aujourd'hui. Now, I understand that we operate under different rules in the ICTY nous and fonctionnons the ICTR. Sur la base de règles différentes au TPY and the prosecution, as well as the civil parties, go to this rule that we have here. But I suggest that even when you even when you read the rule, which you cannot do so without règle, also peut faire taking it into consideration
The Cambodian Constitution, the establishment law, and all the rights that are accorded to the accused, in particular those that are set out in the International Covenant on Civil and Political Rights. Dans le pacte international sur les droits civils et politiques. When you look at that, à la lecture de tout cela, look at the decisions, et des décisions, and you look at the rules that are coming out of the ICTY and the ICTR, there is little difference. If any. Il n'y a guère de différence, voire aucune différence. De toute évidence, les juges ont toute liberté d'appréciation. L'accusation prétendra qu'elle ne veut pas que cette personne vienne ici, car c'est un témoin de la Chambre. It's et que, partant, c'est la Chambre d'apporter going about it the wrong way. Je pense que ce n'est point ainsi qu'on doit procéder. If that were the case, the prosecution si could simply say, l'accusation pourrait simplement dire, witness, nous en remettons à votre pouvoir d'appréciation. C'est votre témoin à vous décider s'il y a des preuves suffisantes. Au contraire, l'accusation plaide en disant que le témoin ne doit pas venir déposer. Due to the scheduling, and so that we can properly finish on time, du programme qui a été fixé, et pour pouvoir terminer à temps, je vais conclure ici. Il me semble inutile d'enfoncer le clou. Je pourrais le faire éloquent, mais je ne vois pas l'intérêt de le faire pendant encore une heure. Nous avons déposé nos observations écrites, l'annexe est devant vous, vous connaissez le droit applicable. Nous en remettons aux juges et à leur pouvoir d'appréciation. Mais that it is not the same to suggest that he can testify ce n'est pas there. La même chose and if de that dire is the case, peut déposer depuis if là-bas. You decide, well, s'il he's a busy professor, dit he's qu'il a est big name, occupé, qu'il you know, est he's connu, a, he's on this history department, il siège au département on a d'histoire, il occupe une chaire dans ce département, that's rather important. He's got all these students. Il a des activités importantes, so let's il a give beaucoup d'étudiants, we alors would suggest, laissons-le, in that case, si c'est cela qu'on dit, give us a break. Alors, let us if we so choose to be laissez-nous, there, to cross-examine si him nous in person. Nous rendre sur place pour le contre-interroger en personne. There's nothing that would prevent that from the rules. Rien dans les règles why ne doit nous empêcher de le faire. Pourquoi est-ce que les parties ne pourraient être présentes pour être confrontées à cette personne until midnight. De 21h à midi. Presumably, the testimony will take place in a court of law or someplace. Presumably, you will have UN employees over there or somebody from the court who's going to be there to monitor the situation and to assist. So there's no need, there's nothing to fear that somehow we're going to disrupt Professor Kiernan's equilibrium. De perturber l'équilibre de Ben Kiernan. Nous allons simplement être sur place. Je ne vois vraiment pas pourquoi cette possibilité ne pourrait être envisagée à titre de solution de remplacement. Une autre option, ce serait que l'intéressé dépose par vidéoconférence et il pourrait poursuivre ensuite en personne ici en 2013. Pas de problème à condition que la confrontation ait lieu ici, au Cambodge, dans ce prétoire. Cela est la meilleure solution nice try, d'aucuns but we're not going to give you any either one of those two. Mais vous n'aurez aucune de ces deux options. Nous allons utiliser la vidéoconférence. That at the very minimum, alors, we have to tout au moins, his testimony, il convient d'écarter sa déposition parce que la jurisprudence est claire et dit qu'une telle déposition doit avoir un poids moindre. Nous pensons que tel devrait être le cas. From what we have seen today, à la lumière de ce que nous avons entendu aujourd'hui, for not being able to do, et je to vous be more diligent, mes excuses de n'avoir pas pu être plus diligent. Cela dit, nous allons voir si nous pouvons compléter nos arguments. Just having a laundry list nous disons of things, qu'une long list, longue liste for the translation, of items that one does, d'activités. I can fill pages. It moi aussi, mean that I cannot, je pourrais compléter une liste qui ferait deux ou trois pages. Ça ne veut pas dire que je suis incapable de trouver trois jours pour me rendre quelque part pour déposer. So with that in mind, Your Honors, I think that Kiernan has to come. Monsieur Kiernan, he hasn't provided any compelling reasons why il n'a donné aucune raison valable expliquant pourquoi il ne pourrait venir ici. Else cannot fill il n'y a position. Aucune raison no reason why que personne we need to rush. Ne pourrait le remplacer. He is very important to the prosecution. C'est he's quelqu'un d'important pour l'accusation. Il va déposer sur l'ensemble du dossier 002. Such a witness
cannot and should not dictate to this trial chamber if à la Chambre les conditions de sa déposition. Un tel témoin devrait comparaître ici en personne. Il a déjà travaillé ici au Cambodge. Il a de la famille au Cambodge ou de l'ancienne famille au Cambodge. Il a des amis. Il connaît la région. C'est une région sûre et il n'y a aucune raison qu'il ne puisse venir déposer. Merci. President. Le Président. Next, we proceed to à présent, nous allons entendre Chia. La défense de Nguyen Chia. Thank you very much, Mr. President. I'll be very brief. I think, merci, je serai très bref. Most of the ground, if not all, je pense que ground and arguments were covered by beaucoup the d'arguments, the voire tous les arguments, déjà été avancés par... I just want to stress that for us and for my client, simplement pour Ben nous Kiernan et pour mon client, witness. Ben Kiernan he's not marginal, he's very important. Est un témoin très important and et non pas un témoin marginal. To rely upon his statement, et the statement which hopefully is going to give in court, nous avons l'intention de nous appuyer sur la déposition qu'il fera dans le prétoire, je l'espère. We are disappointed by his apparent nous sommes déçus de constater qu'apparemment il n'est guère enthousiaste à l'idée de venir déposer really dans le prétoire. Nous ne comprenons pas pourquoi apparemment il ne comprend pas l'importance de sa présence ici. Est-ce que l'accusation l'a fait assez pour le convaincre de l'importance de sa présence dans le prétoire? In any case, en tout état de cause, don't see why he je ne vois pas pourquoi cette personne ne devrait pas être citée à comparaître en 2013 si vraiment il n'est pas disponible en 2012, ce dont je ne suis pas convaincu. Mais si vraiment il ne peut venir en Cambodge en 2012, à ce moment-là, il pourrait venir dans le prétoire en 2013, ce serait préférable à une option consistant à l'interroger par vidéoconférence. The suggestion la semaine prochaine ou le mois prochain, Defense for Ying Suri, à titre subsidiaire, nous appuyons les arguments really avancés par Cambodia, la défense de Ying Suri. Si vraiment il ne peut venir au Cambodge, selon nous, from the defense, from our team, un membre be de notre propre équipe de la défense devrait pouvoir se rendre sur place pour le contre-interroger au même endroit où il se trouve. Assess his demeanor, cela his permettra reactions, d'évaluer son comportement, and eventually ses réactions et, in fine, sa crédibilité en tant que témoin. So we fully support nous souscrivons donc pleinement à tous les arguments qui ont été avancés par la défense de Ying Suri. Merci beaucoup. Le Président, la défense de Khieu Samphan a à présent la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je ne serai pas non plus très longue. I will not take up much of your time either. Bien sûr, du côté de la défense de Khieu Samphan, of course, in the Khieu Samphan nous soutenons la demande que si M. Ben Kiernan devait témoigner devant cette chambre, qu'il le fasse dans l'enceinte de cette audience. Je crois beaucoup à la solennité de l'audience. Je pense que c'est important lorsqu'on est un témoin et surtout lorsque l'on est un témoin expert de pouvoir être présent. Je pense que toutes les personnes dans cette salle ont des obligations professionnelles importantes et je pense que l'expérience au plan national montre que lorsque nous sommes convoqués devant une juridiction, encore plus devant une juridiction internationale, on peut tout à fait argumenter face à ses employeurs, face à ses collaborateurs, la nécessité de s'absenter pendant quelques jours pour venir contribuer aux travaux importants d'une juridiction internationale. C'est valable, encore une fois, devant les juridictions nationales, ça l'est d'autant plus devant votre juridiction. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, comme mes confrères, de m'interroger sur cette apparente indisponibilité pendant toute une année d'une personne qui est présentée du côté des coprocureurs et du côté des parties civiles comme un expert
qui a travaillé plus de 40 ans de sa vie sur un sujet important comme celui du Cambodge et des événements qui ont marqué son histoire, et qui, alors que vous êtes quand même la juridiction exceptionnelle chargée d'examiner ces faits, ne s'arrange pas pour être un peu plus disponible. C'est vraiment une question qui se pose. Du côté des coprocureurs, on a indiqué tout à l'heure que la vidéoconférence était suffisante, que d'ailleurs, dans l'affaire 001, deux experts avaient eu à être entendus de cette façon. Vous étiez dans l'affaire 001, donc je ne vais pas vous apprendre que les deux experts en question qui ont été entendus de cette manière témoignaient pour l'un, Stéphane Hessel, sur l'expérience du pardon, et pour l'autre, M. Goldstone, sur l'importance de la reconnaissance de la culpabilité par un accusé, c'est-à-dire sur des thèmes assez précis et assez limités. Le témoignage tel qu'il a été présenté par les coprocureurs et les thèmes importants qui sont annoncés ne permettent pas de mettre sur le même plan le témoignage de M. Ben Kiernan. Il va de soi, et là encore je renvoie la Chambre aux différents débats qui ont eu lieu dans cette enceinte, il va de soi qu'il y aura de nombreuses questions, à la fois sur des questions académiques, certes, mais à la fois sur des questions factuelles, puisque concrètement, il y a un certain nombre de documents qu'on a évoqués devant vous et pour lesquels M. Ben Kiernan aurait des explications factuelles à donner à la Chambre. Dans ces conditions, il est évident que, là je vais être extrêmement prosaïque, la question de la gestion matérielle, la communication de documents, éventuellement de passages de films, éventuellement de mettre sur écran des documents à lui faire commenter, tout ça, c'est une gestion matérielle qu'il faudra prendre en compte dans le cadre de votre décision. De la même façon, évidemment, la question du décalage horaire, là encore, je suis désolée, je parle de questions extrêmement pratiques, mais c'est vrai, ça a une incidence, voudra dire qu'il faudra des demi-journées, que oui, même si nous sommes dans un monde moderne et qu'il y a des facilités, il y a quand même des difficultés pour avoir assisté à un certain nombre de vidéoconférences accordées pour des raisons exceptionnelles. Je sais que ce n'est pas toujours simple et vous-même, dans le cadre du procès 001, avez eu à rencontrer ce type de difficultés lorsque ces vidéoconférences ont eu lieu. Donc, lorsque l'on met tous ces éléments bout à bout, je pense quand même qu'il serait utile d'insister auprès de M. Kiernan pour qu'il trouve le temps, et je pense que c'est une correction, vous n'êtes pas n'importe quelle juridiction, vous êtes une juridiction internationale avec un mandat extrêmement spécifique. Je trouve qu'il est important aussi symboliquement, j'ai parlé de la solennité de l'audience, mais que ça se passe effectivement au Cambodge, et je pense que tout témoin expert qu'il est, M. Kiernan, n'en reste pas moins un témoin, et que dans la manière dont vous aurez envisagé son témoignage et à évaluer sa crédibilité ou la portée de ses déclarations, sa présence physique à l'audience est nécessaire. J'en terminerai avec un point, à savoir que si vous envisagiez cette vidéoconférence, nous demanderions également, comme les autres équipes, à ce qu'une personne de l'équipe de Que Sampan puisse être sur place pour garantir l'intégrité de la procédure et s'assurer que le contre-interrogatoire puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, dans le respect le plus absolu des droits de la défense. Le président. National Council for La parole Kusampan, you may now est à l'avocat cambodgien de Que Sampan. Council Kung Somon. Thank you, Mr. Maître President. Kung Somon. I would like to Merci, add Monsieur le Président. A little bit on top J'ai of what certaines my choses à ajouter à ce qui vient d'être dit par the importance ma of Mr. Bien Je voudrais insister Kinnan. Sur le fait His presence before this que chamber la présence de Ben Kiernan devant cette chambre revêt une importance extrême. For the judicial proceedings here, I cannot see any reason why Je ne vois Mr. vraiment pas Ben Kiernan pourquoi has
Monsieur Ben Kiernan a refusé de venir comparaître en personne dans le prétoire. We have obtained some documents from the Nous avons obtenu certains documents auprès des coprocureurs. Their grounds, ces documents concernent in which they argue that, it is not important les raisons to have de cet état de choses. Les coprocureurs écrivent que la présence de Ben Kiernan en présence dans le prétoire n'est pas importante et que cette personne peut très bien déposer par liaison vidéo. If we think that he has other commitments, laissez-moi vous dire ceci. That he cannot be present si M. Ben Kiernan chamber, a tant d'engagement we are et d'obligations qui rendent sa présence that dans le prétoire impossible, may also have il faut bien se dire que d'autres témoins pourraient également invoquer les mêmes raisons to reject pour se soustraire such appearance before à the chamber. Leur comparution dans le prétoire. And I agree that someone else can be. Et ici, called je tiens to be à préciser in, his place at work. I mean, but que quelqu'un here, peut très bien le remplacer sur place dans le cadre de ses obligations professionnelles. Mais ici, par contre, il est irremplaçable. Important. Aucun autre témoin ne peut se substituer à lui. Son témoignage est en effet essentiel. If we look into his skills, parlons expertise, quelque peu des compétences, des qualifications de cette personne criminal dans le domaine de l'histoire et du droit pénal international. Genocide context, he is a person concernant of les questions good knowledge ayant trait, par exemple, à un génocide. In light Il s'agit of that, d'un expert de ces questions. It is very important indeed et donc, that he comes il est essentiel que cette personne vienne comparaître en personne person. Dans le prétoire. So we feel that there is a need to see him here and there is no il reason est essentiel que cette he personne should evade vienne en personne déposée the direct participation in the proceedings ne saurait y avoir de quelconque justification according à son absence, quels que soient les motifs invoqués, faisant état de ses obligations professionnelles. Six. Je vous renvoie ici d'ailleurs à la règle 26 concerning du règlement intérieur qui porte sur les témoignages en direct par liaison audio ou vidéo. Indeed, this rule states that such video link cannot take place il if it is prejudicial que ces moyens techniques ne peuvent être utilisés s'ils portent gravement atteinte aux droits de la défense ou sont incompatibles avec l'exercice de ces droits. I would like to also touch upon the issue of je voudrais aussi how the aborder une defense question rights is, qui est celle affected. De la manière dont les droits de la défense s'en trouvent Mr. affectés. Has conducted research Monsieur Ben Kiernan concerning a effectué des recherches and Mr. Canavas has already sur un indicated génocide. There are more than 50 Et Maître Canavas that Mr. a ben indiqué Kenan que has written Ben Kiernan so far avait rédigé à ce jour 50 articles to sur me, la question. I feel that, he has written more than 100 articles. Je crois savoir pour ma part, or rather, a écrit nearly 100. Près de 100 and articles. Both those articles have been analyzed, and that ces articles he concluded ont été analysés. That, the Democratic Cambodia regime et la conclusion tirée par Ben Kiernan, a regime where genocide c'est que le régime takes place. Du Cambodia démocratique a été For that un reason, régime we feel génocidaire. That, Mr. Ben Kiernan C'est la raison pour laquelle il nous semble indispensable que Ben Kiernan vienne déposer dans le prétoire et puisse être contre-interrogé. Next, merci. Le Président. We proceed to the next, nous allons à présent passer au point suivant. And the floor will be handed over to nous allons the co-prosecutors
tout d'abord entendre les coprocureurs et ensuite les co-avocats principaux pour les parties civiles. Vous disposez de 20 minutes et il vous est loisible de répartir ce temps de parole entre vous comme bon vous semblera. La parole est tout d'abord aux coprocureurs qui ont ainsi l'occasion de présenter leurs observations. For the accused person. Mr. Chandaras, my thank you, Mr. President. I am here on my feet to merci, to reply Monsieur le Président. To comments je me suis made levé by pour counsels. Répondre aux observations faites the par view la défense. That, Mr. Ben Kiernan has selon no moi, way evaded Monsieur Ben Kiernan ne s'est nullement soustrait. To, avoid coming to, Monsieur Ben Kiernan a nullement tenté d'éviter de venir comparaître. Il a déjà pris certains engagements et l'on peut très bien recueillir sa déposition par liaison vidéo. We are now doing our best to pour notre part, expedite the nous proceedings. Mettons tout en œuvre pour accélérer la procédure. Is not available in the whole year of si Ben Kiernan 2012, n'est pas disponible en 2012, durant toute l'année, have to wait until 2013. Il faudra attendre but this is 2013. Not a good idea because, mais it will be, ce n'est pas it will take satisfaisant a long time parce and it will impact cela the judicial proceedings. Cela aura and des répercussions like sur la procédure. Trials, or, nous sommes favorables à un procès qui like se déroule aussi rapidement que possible. Ask, c'est précisément pour cette raison que nous demandons à la Chambre d'accepter la demande qui a été formulée par l'accusation, that the video link of à savoir Mr. une demande Ben qui tend be à ce que M. Ben Kiernan soit interrogé like par vidéoconférence. Comme le temps presse, j'en resterai là et je cède la parole à mon confrère. Merci M. le Président, j'essaierai d'être bref. Tout d'abord, je constate que De part adverse, l'importance du témoignage de cet expert n'est pas contestée. Il me semble que les trois équipes ont souligné qu'il était important de l'entendre. Au moins, là-dessus, nous sommes d'accord. Deuxièmement, Maître Carnavas, et je crois aussi la défense de Cusimpan, a estimé qu'il n'y aurait aucune raison valable justifiant que cet expert ne vienne pas comparaître en personne. Je voudrais juste rappeler qu'il appartiendra à la Chambre de poser ce genre de jugement d'appréciation et non pas aux parties. Les critères doivent être remplis selon la Chambre et pas selon les différentes parties. Je voudrais souligner un point que je n'ai pas souligné tout à l'heure, mais Maître Carnavas, à l'instant, nous a reproché de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir insisté suffisamment auprès de M. Ben Kiernan, de donner précisément sa disponibilité et de savoir quelles étaient ses obligations professionnelles par période. Nous avons fait ce que la Chambre nous a demandé, nous avons fait de bonne foi de notre mieux pour satisfaire à la demande. Mais en même temps, Maître Carnavas, dans son argumentation écrite sous paragraphe 14, disait aussi « La défense saisit en passant cette occasion pour demander à la Chambre de première instance de rendre une ordonnance interdisant toute autre communication ex parte entre le bureau des coprocureurs et l'expert. » Nous avions reçu dès la fin du mois de février, une copie de ces arguments écrits. Mais il nous semble quand même particulier que la défense qualifie ces communications comme étant des communications ex parte. Donc à la fois, on nous reproche de ne pas en faire assez, de notre côté, on nous reproche d'avoir des communications avec cet expert. Mais c'est bien ça le mandat qui nous a été confié par votre chambre, c'est d'avoir des communications avec lui afin de trouver des modalités qui pourraient permettre son témoignage devant cette chambre. Il ne s'agit pas de communications ex parte qui se feraient en secret, il s'agit simplement de remplir un mandat qui nous a été confié. Maître Carnavas a aussi dit qu'en 2011, Maître Carnavas a aussi dit qu'en 2011,
Could le président. Est-ce que la défense pourrait patienter et attendre Because que l'accusation en ait terminé? La défense disposera ensuite d'un certain temps de parole. La parole est à l'accusation. Merci. Thank you. Donc il nous a dit en 2011, on est entré avec lui en contact et il suggère l'éco-procureur. Donc entrer en contact avec M. Ben Kirnel. Sinon, pourquoi figurait-il sur la liste de l'éco-procureur? Je voudrais clarifier, évidemment, que nous n'avons eu aucun contact avec le professeur Ben Kiernan en 2011 et jusqu'à ce que la Chambre nous confie cette mission de le contacter. Et je voudrais rappeler ici que la procédure est que les parties ne communiquent pas avec les témoins et les experts potentiels. Même pour en dresser la liste, c'est en tout cas ce que je comprends de la procédure devant cette chambre. Alors il a dit aussi que à 21h, le professeur serait fatigué, c'est possible. Mais il peut aussi prendre ses dispositions pour être parfaitement alerte et en forme à cette heure-là. Ce n'est pas une proposition que nous avons faite. C'est une proposition qui est venue de la part du professeur Kiernan, parce qu'il pensait que c'était la meilleure façon de procéder, étant donné ces 12 heures de décalage qui existent entre les États-Unis et le Cambodge. C'est sûr qu'il ne l'aurait pas fait l'après-midi, ce serait pire. Vous imaginez devoir témoigner entre 2 heures du matin et 6 heures du matin. Alors la défense dit aussi, à notre place, que quelqu'un pourrait très bien remplacer Ben Kiernan. Et Craig Etchison a été cité. Mais pourquoi Maître Carnavas se permet-il de penser à la place des coprocureurs? Depuis quand il est habilité à nous dire de remplacer un expert par un autre? Est-ce que nous nous permettons de lui dire que certains de ses témoins ne sont pas appropriés, qu'il devrait les remplacer par d'autres? Tout ça, à notre sens, est dépourvu de fondement et de pertinence. Et je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'un expert de la Chambre et non pas, contrairement à ce qui a encore été dit, un expert de l'accusation. Concernant l'affaire Nzabonimana du 9 mars 2011, je voudrais signaler que le critère du manque de volonté n'est pas un critère devant les chambres extraordinaires au Cambodge. Les critères applicables au TPIR sont profondément différents, sont plus stricts que ceux qui sont applicables devant ces chambres et qui sont reproduits à la règle 26. Par exemple, la raison exceptionnelle justifiant qu'une vidéoconférence puisse être organisée n'existe pas ici. Et il y a peut-être un autre point également. Devant ces deux tribunaux ad hoc, il y a plus de possibilités pour ces tribunaux de forcer un témoin, un expert à témoigner, à comparaître. La situation ici, est-ce qu'elle est? Elle est différente. Nous avons moins de possibilités de le faire. Enfin, concernant la solennité du tribunal, nous comprenons effectivement qu'il est plus solennel d'être ici dans une pièce avec tout le monde et que visuellement, on peut voir en même temps balayer toutes les parties du regard. Mais n'oublions pas, il s'agit d'un expert. Quelqu'un qui a beaucoup vécu professionnellement, qui sait exactement à qui il va s'adresser. Il n'est pas question pour lui de ne pas se rendre compte qu'en réalité il s'agit d'une audience solennelle et que il ne s'agit pas d'une conversation privée. Alors, au paragraphe 26 de la réponse de Yangsari, il est écrit ceci. Il y a une citation. Il arrivera souvent qu'un témoin dise en privé ce qu'il aura honte de dire en public devant un tribunal solennel. Il n'y a pas de ce genre de honte avec un expert qui sait devant qui il va témoigner. La vidéoconférence non plus ne peut pas être assimilée à une conversation privée.
Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président, avec mes réactions. Nous nous en tenons à ce que nous avons dit précédemment et concernant les documents, aux écritures que nous avons mises au dossier. Je vous remercie. And now, it's the lead co-lawyer. La parole est maintenant à la partie civile. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, quelques instants seulement pour vous dire que, en ce qui me concerne, je pensais qu'il n'était pas nécessaire de répliquer aux arguments de la défense. Ce n'est pas parce que notre volonté est d'emboîter le pas de l'accusation, comme ça a été dit tout à l'heure. À ce propos, je ferai juste une petite parenthèse. Je trouve qu'une telle remarque dans cette enceinte est non seulement inexacte, mais par ailleurs déplacée et désobligeante à notre égard. Je crois qu'elle n'a d'autre volonté que d'essayer de faire croire de façon publique que la partie civile n'aurait pas de place dans ce procès et pas de position particulière. Je ferme la parenthèse. En ce qui me concerne, je n'avais pas envie de répliquer aux arguments de la défense simplement parce que je n'ai pas entendu d'arguments qui nécessitaient une telle réplique. I do not hear any arguments that warranted any real reply. Next, we now turn to the three defense counts, defense teams. The three defense teams have 20 minutes to make their replies. Trois équipes de défense qui peuvent se partager 20 minutes. Thank you, Mr. President. Let me start with the civil parties. The civil parties are associated with and usually on every single occasion adopt the prosecution's approach. Ont toujours adopté one single instance de l'accusation. Do I recall where they deviated from them? And so to say that they both are making the same arguments, they may be representing different interests, but they are part and parcel of the same as far as we are concerned. There's no disrespect to either the lawyers or to the civil parties, but effectively, what I was trying to convey, perhaps not as eloquent as I should have, is that they adopt whatever the prosecution says. So, that's that. Par l'accusation. Let me go back with the prosecutor and his remarks. Je vais maintenant revenir aux remarques. We sent a letter, I believe it was on the 9th or the 10th. Le 9 ou le 10. And then on the 13th of March, that is of March 2012. And then on the 13th of March 2012, we sent another letter. 11. To the senior legal officer. Nous avons envoyé une lettre à la juridiction. And in that particular letter, we noted that the prosecution had been authorized to engage in communications with Professor Kernick. Now, that is an ex parte communication. That's how you would characterize it, because we're not a party to that communication. It's authorized. We didn't say that it was unauthorized. We noted that it was for a specific purpose. And so we do not make any claims that somehow the prosecution acted outside its role. But in that very same letter, we indicated that for future purposes, any communication should take place between Professor Kiernan and the trial chamber of Westsuit. In the alternative, as I indicated today, as I indicated earlier, we would have prefer to have been a party, nous aurions préféré être parti, at least a representative for the defense, ou du moins avoir un représentant to the discussion de la défense, between Prosecutor Cayley and Smith and Kiernan. Smith Why? Et le professeur Not Kiernan. Because Pourquoi? Of some nefarious reason that somehow they were going to talk him out of coming here. In fact, Professor Kiernan requested that Kiernan the discussion be memorialized. A demandé send à ce que la discussion soit consignée dans un procès verbal et qu'on lui envoie une ébauche. He indicated some corrections, but as I indicated, and as I believe one of my colleagues indicated, it doesn't appear as if the prosecution pressed, or shall I say, impressed upon Professor Kiernan the importance of his testimony. Au professeur Kiernan, l'importance de son témoignage. Now,
He's a busy professor, but so is Professor Chandler, his mentor. He's just as busy. Yet he's able to find the time to come and give evidence to these very important issues that he's written about. And we submit that from what the prosecutor was able to get from Professor Kiernan, because they didn't really press him. Tell us exactly the dates of when you are unavailable. Or tell us the events. Tell us what your days are for all of these events that you describe. De chacun de ces événements que vous décrivez dans votre liste. Perhaps if we had that, I may not be making this argument. Si I would be making something else. Ces détails, peut-être but from je what I have thus far, we have it because the trial chamber elected to give the prosecution the right to communicate with Kiernan. Now, we didn't suggest that they communicated actually with him in 2011, but at some point, we're talking about before the OCIJ was seized with the case, and I've indicated that, they would have talked to Kiernan. On what basis do they put him down as a witness? Normally, you would find out whether the witness is willing to testify. But in preparation of their introductory submission, they would have either directly or indirectly at some point had communications with Mr. Kiernan. Be that as it may, it's irrelevant. What's relevant for the discussions here today is that ce qui est important, he has been put down as a witness by the prosecutor. And the prosecutor admits that it's his witness because they then say, how dare I try to substitute one of their witnesses with someone else? I'm not trying to substitute. I'm merely making the point that he is not the only human being on the planet that can give evidence on this issue. There are others, they're available, they're here in country, and they're just as capable of providing the limited, or I should say the evidence limited to the confines of 002/01. And that's one of the criteria. That it would be so prejudicial to the party advancing the witness that to exclude the testimony of the witness would be unfair to the party and to the proceedings. And we suggest, Your Honor, that there are alternatives. But it does beg the question. This witness, who's written so much, who traveled Cambodia, and now in this historic occasion, ce moment historique. He dare not come il n'ose and, pas. And give his evidence in court, il n'ose pas in situ, of this en personne, very institution. Sur place, and instead says, de cette institution. I may plutôt, be available nous dit, in 2013, je pourrais may, peut-être être disponible but if you want me now, mais si vous voulez que je it has to be 9 o'clock to midnight, my de 9h à minuit. C'est moi and I say, Your Honors, that is an insufficient reason, and perhaps the trial chamber should consider contacting him and pressing him some more, or in the event the prosecution lui, is asked to go back to and talk with Professor Kiernan, that one, a representative from all parties be there and be allowed to ask questions, and two, that the conversation be tape recorded so that there is some sort of a record, lest there be any accusations that somehow he was pressured. That's all I have to say, Mr. President, and thank you very much. And I just want to make sure, finally, we are not accusing the prosecutor of doing anything unethical. But an ex parte is usually a communication between two parties where the third party is not there. Thank you. Voilà ce que signifie ex parte. Merci. The President. Le Président. And now the floor is open to other defense counsel, should they wish to take the floor. Et aux autres équipes de défense, si elles souhaitent s'exprimer. Non, Monsieur le Président, pas d'autres commentaires. No, Mr. President, I have no further comments. Maître Pespin. Nor have I. Moi non plus. L'objet somme à... Mr. Kong Som-on. Le... Mr. President. Maître Kong Som-on.
May I raise a suggestion? Monsieur le Président, j'aimerais rather a request. Faire une suggestion ou still hold faire our demande. Position that Mr. Ben Cannon be called nous to be present in the courtroom so that ben the defense counsels can put questions directly to him. Que les parties puissent l'interroger directement. We invited the chambers to examine the grounds that are put forward in order to argue why Mr. Ben Cannon cannot be present in this court. Nous demandons à la Chambre de bien étudier les motifs invoqués par M. Cannon pour justifier son absence. And thirdly, concerning the communication with this witness, says the speaker, may I suggest that sur le sujet the des development of the communication or the update of the communication be forwarded to the parties? Je suggère que la teneur de ces communications soit communiquée aux parties. And concerning what the prosecution has said regarding the speeding up the proceedings by way pour ce qui of de l'observation hearing this sur le fait que d'entendre le témoin par vidéoconférence through video link, sur un procès rapide, I would submit that by doing so, this will pose prejudice to the defense rights. Je soutiens if we endeavor que cela porte atteinte au droit de la expedite défense. The proceedings by setting aside the l'on ne saurait safeguarding of the rights of the accused, garantir un procès rapide sans pour autant garantir les droits des accusés. The President. Le Président. Thank you. It is now time for the court to adjourn. Le moment est venu de lever l'audience. For today, and we will resume our hearing. Nous reprendrons. On the 19th of March 2012, Monday, soit morning. Lundi, we will begin at 9 o'clock. Les audiences commenceront. Security guards are now instructed to bring the three accused persons veuillez ramener back les trois to the detention facility de détention. And return them to et the courtroom on the morning of the 19th les of March 2012. Avant 9h, le 19 mars 2012. By 9 o'clock in the morning, the court is now adjourned.